sœurs en Christ, nous fêtons aujourd'hui tous les saints du ciel. Dieu a voulu partager avec l'homme la sainteté. C'est pourquoi il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Nous aussi, nous devons suivre l'exemple de ces saints qui ont vécu selon l'évangile du Christ pour hériter du royaume des cieux. Préparons nos cœurs à accueillir le Christ Jésus, le Saint par excellence. Pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Nous dit que le ciel est peuplé d'une multitude de saints impossibles à dénombrer. Écoutons. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000. De toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants, se jetant devant le trône, face contre terre. Ils se prosternèrent devant Dieu et ils disaient, « Amen. » Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit, ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis, mon Seigneur, toi tu le sais. Il me dit, ceux-là viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Parole du Seigneur. Nous garantit que nous sommes déjà enfants de Dieu et qu'au jour de la résurrection, nous serons semblables au Christ. Écoutons. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté.
Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est, et quiconque met en lui une telle espérance sera pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Le Seigneur soit avec vous. Nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, et si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Venez à moi, votre bien, bonne fête, chers amis. C'est la fête de tout le monde. Aujourd'hui, un jour solennel où nous célébrons avec foi la fête de tous ceux qui ont cherché le royaume de Dieu, la fête des saints connus et inconnus, la fête de la multitude d'hommes et de femmes qui ont vécu dans l'esprit des béatitudes
tous ces hommes et femmes, tous ces enfants ont trouvé leur joie à servir de leur mieux Dieu et leurs frères. Tous ces hommes et femmes, Dieu les a accueillis dans la joie éternelle. Et à nous qui sommes en marche sur cette terre, nous sommes appelés à la même sainteté et au même bonheur. Chers frères et sœurs en Christ, la première lecture que nous venons d'écouter nous parle de cette fête universelle. Saint Jean voit beaucoup d'hommes et de femmes lutter contre les flots aux formes monstrueuses. Tous ces hommes de Dieu, foule anonyme de ceux qui ont suivi courageusement le Christ contre vents et marées. Voici que des anges les marquent du sceau du salut. Combien sont-ils ? 144 000, avons-nous entendu. Il n'est pas dit que 140 000 seront sauvés. Et il y a beaucoup de gens qui ont cette idée dans leur tête à travers ce qu'ils entendent de gauche à droite. 144 000 qui seront tous simplement sauvés. Non. 144 000 n'est que le chiffre d'une immensité de foules et de femmes qui seront avec Dieu dans le royaume éternel. C'est la plénitude. Oui, chers frères et sœurs, les saints ne sont pas quelques privilégiés du calendrier, mais la grande foule, l'armée innombrable de la nuit et de l'ombre que la mort, loin d'anéantir, a projeté dans le royaume de la lumière. En effet, Saint Jean, le voyant, aperçoit le ciel qui tire son rideau au bleu pour laisser apparaître l'adoration de l'agneau. C'est la fête, chers amis, le rassemblement le plus populaire qu'on puisse imaginer. C'est la fête Dieu dans le déploiement des palmes, dans la danse d'un jour de victoire. Oui, chers frères et sœurs, la sainteté est pour aujourd'hui. La sainteté est pour aujourd'hui. Dans sa première lettre, Jean nous livre son expérience chrétienne. Il dit, Dieu est amour, Dieu est lumière. Nous croyons, nous le savons, nous en sommes convaincus que Dieu est amour, que Dieu est lumière. Oui, Dieu est amour et Dieu est lumière. Nous sommes appelés tout simplement à être cette lumière, à être remplis d'amour pour Dieu et le prochain, pour pouvoir un jour bénéficier de la grâce divine auprès de lui dans le royaume éternel. Nous connaissons bien Dieu, nous connaissons bien le prochain. Voilà des certitudes qui naissent et qui doivent naître toujours dans notre vie de croyants. Obscurité sans doute, mais obscurité que la foi finit par rendre transparente. Tout homme qui fonde son expérience dans le Christ sera pur comme lui, comme lui-même est pur. Nous sommes appelés, chers amis croyants, en fêtant cette multitude de saints, à être purs, à avoir un cœur joyeux,
à être des hommes de paix, des artisans de paix. Pureté de source qui devient miroir pour notre vie de croyants. Nous lui serons semblables, dit Saint Jean. Nous le verrons tel qu'il est. Oui, chers amis, nous ne nous voilons pas la face. Pour voir tel qu'il est, le Dieu d'amour, il faut le vivre, il faut suer sur la terre. Nous ne verrons pas Dieu tel qu'il est si notre vie ne conforme pas aux valeurs de l'Évangile. Si nous ne soyons pas des anges doux, si nous ne sommes pas miséricordieux, si nous n'envoyons des cœurs purs, si nous ne travaillons pas pour le règne de Dieu, nous ne verrons jamais Dieu tel qu'il est. Ceux qui verront Dieu tel qu'il est, c'est ceux qui auront travaillé durement. Nous lui serons semblables, nous le verrons tel qu'il est. Mais bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, notre Sauveur Jésus-Christ fut à la fois le Messie de la parole et de l'action. Il ne faut pas que nous soyons des hommes et des femmes de parole tout simplement. Il faut parler, mais aussi il faut agir. Et Jésus est le maître de la parole et de l'action. En lui comme en Dieu, parole et action, c'est un ensemble, c'est-à-dire des signes efficaces du salut. Le sermon sur la montagne. Les premiers bénéficiaires, ce sont les disciples. Les disciples du Christ qui sont sortis des foules laborieuses et souvent besogneuses de la Galilée. Ce sont ces gens de la terre auxquels, rappelons-nous, le prophète Sophonie avait promis la vraie promotion humaine. Jésus est ce Messie des pauvres de Dieu. Jésus est ce Messie des artisans de paix. Jésus est ce Messie des cœurs purs. Jésus est ce Messie de tout ce qui accepte au nom du Seigneur. Il est celui qui fait passer de l'ère ancienne à l'ère nouvelle. Oui, le Christ ouvre les portes du royaume. Et il le déclare clairement. Venez les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Soyons des hommes et des femmes qui travaillent tous les jours pour qu'advienne le règne de Dieu. Ce sont les pauvres, les affligés, les affamés, les maîtrisés et toute cette lie que rejette aujourd'hui notre société. Voilà ceux qui sont saints aujourd'hui. Oui, voilà la communauté de saints sur terre. Voilà la fraternité de saints sur terre. Cette fraternité composée de pauvres et de fortunés. À tous. L'Évangile propose, au nom de Jésus, un programme de vie parfaite. Et il faut suivre ce programme de vie qui nous est tracé clairement à travers ce serment sur la montagne. Oui, chers frères et sœurs, l'évangéliste Matthieu que nous venons d'entendre ne veut pas nous présenter le Christ comme le maître de l'impossible, demandant l'irréalisme pour occuler l'homme à avouer son impuissance et à crier vers Dieu. L'évangéliste Matthieu n'édicte pas non plus une sorte de loi d'urgence, la grâce du dernier délai. Non. Ce que veut Jésus, c'est qu'on prenne tout simplement conscience du salut que Dieu offre
à tous en sa personne. En Jésus, chers amis, le salut est là. Le salut est à la portée de tous. En réalité, le discours de béatitude s'adresse à nous aujourd'hui. S'adresse à nous question de suivre le Christ jour et nuit. Nous sommes baptisés. Et par le baptême, nous avons revêtu le Christ. Nous sommes à l'image du Christ. Et maintenant, il y a beaucoup d'exigences, beaucoup de choses qui nous attendent, comme baptisés, comme des hommes ayant revêtu la lumière du Christ dans notre vie. Bien sûr, chers amis, les béatitudes sont impossibles à vivre. Les béatitudes sont impossibles à vivre à l'homme seul. Mais elles deviennent possibles à l'homme habité par l'Esprit Saint. Alors laissons-nous habiter par l'Esprit Saint pour pouvoir véritablement vivre l'esprit des béatitudes. Les béatitudes sont possibles à tous ceux qui sont devenus fils de la lumière, à tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu, comme le dit Saint Jean. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour tant de merveilles. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour l'amour de ton Fils. Cet amour qui nous fait vivre et qui nous aide à vivre les béatitudes. Ces béatitudes qui nous montrent un chemin de joie. Oui, Seigneur, mais en nos cœurs de pauvres, en esprit d'abandon total. Donne-nous faim et soif de ta justice par toute notre vie et nous vivrons avec toi dans le royaume des siècles, avec tous les siens, dans la gloire, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Thank you.
puissions nous présenter au Dieu Père nos intentions avec confiance et espérance. Pour l'Église catholique et ses pasteurs, que par le Saint-Esprit, ils aient le courage et la force de guider le peuple de Dieu vers la sainteté. Prions le Seigneur. Les gouvernants étatiques, particulièrement ceux des pays en difficulté politique, que la paix de Jésus règne dans leur cœur pour qu'ils puissent chercher le bonheur des citoyens de manière pacifique. Prions le Seigneur. Dieu qui nous rassemble en ce jour avec les saints de tous les lieux et de tous les temps, garde nos cœurs en paix. Ne laisse pas les épreuves de ce monde nous détourner de toi. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Thank you.
Fais-nous passer de cette table.